Dans cette session, nous allons travailler sur des exercices nous permettant d'identifier le lieu qui correspond à une conversation, d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide qui apparaît dans un texte et enfin d'identifier ce qui ne correspond pas au contenu d'un texte. 라면 통장 만들다 사장님, 회의실, 계시다, 사전, 서점. 7번 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 7번 여기는 어디입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Où sommes-nous Choisissez la bonne réponse. « Kimbap 하나하고 라면 하나 주세요. »« 주세요 » est un verbe que l'on utilise quand on fait une requête. « Kimbap 하나하고 Damion 하나. » Ici, on demande deux choses. Kimpap hana, un kimpap. Ramion hana, un ramion. Hago signifie et. Yogi est une expression qui est utilisée pour interpeller, pour attirer l'attention d'une personne. Un kimpap et un ramion, s'il vous plaît. Mais, algesmida. Ici, c'est une expression qu'on utilise fréquemment pour dire d'accord. Oui, entendu. D'accord. On nous demande de trouver dans quel endroit nous nous situons. La première réponse est Tsiktang, un restaurant. La deuxième, Kotsi, un magasin de fleurs. Le troisième, Koktang. Un théâtre ou un cinéma. Quatrième réponse. Gakpo. Une pharmacie. Ici, l'homme demande un kimbap et un ramyon, qui sont deux plats. Selon toute vraisemblance, la situation se passe dans un restaurant. La bonne réponse est donc la réponse 1. Siktang. 번. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. 8번. 여기는 어디입니까? 알맞은 것을 고르십시오. 우섬누. Choisissez la b o n 어떻게 오셨어요? Que l'on emploie assez fréquemment pour accueillir une personne et qui s'interprète naturellement en français par Comment puis-je vous, puis vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Réponse 통장을 만들고 싶어요. Ko 싶다 expression que l'on utilise pour exprimer la volonté. Tongzhenglu Mantulda, faire un compte bancaire. Plus naturellement, ouvrir un compte bancaire. Je souhaite, je souhaiterais ouvrir un compte. Réponse proposée. Sizeng, un marché. Deuxième réponse, une banque. Troisième réponse. Une gare. Quatrième réponse. Un Un stade. Ouvrir un compte est quelque chose que l'on fait dans une banque, non pas dans un marché, ni une gare, ni un stade. La bonne réponse à cette question est la réponse 2. 은행, une banque. 9번 사장님, 안에 계세요? 지금 회의실에 계세요? 9번 여기는 어디입니까? 알맞은 것을 고르십시오. 우섬 nou? Choisissez la bonne réponse. Cette question Ke être quelque part une personne que l'on respecte 사장님, le patron Ane signifie à l'intérieur Le patron est-il à l'intérieur le même verbe, il se trouve, il est. ici. est. Complément circonstanciel de lieu, Ici, une salle de réunion, maintenant. Il est actuellement, il est maintenant, dans la salle de réunion. Où a lieu cette conversation Première réponse un hôpital. Deuxième réponse, Hesa, une entreprise. Troisième réponse, Dosangwon, une bibliothèque. Quatrième réponse, Utsego, un bureau de poste. Ici, notre principal, nos principaux indices, pardon, sont nim le patron, et Hyeisil la salle de réunion qui nous permettent de deviner que la situation se déroule dans une entreprise c'est bien la réponse 2 qui est la réponse de cette question 10번 10 Almazengrosser Co-Reception. Où sommes-nous Choisissez la bonne réponse. Son Sonnim est un terme euh, honorifique que l'on utilise pour désigner le client dans, une, euh, dans un magasin euh, de service. 무엇 찾으세요? 무엇을? 뭘, quelque chose en tant que complément d'objet direct. 찾으세요? Qui vient du verbe 찾다 qui signifie chercher. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quelque chose? 사전은 어디에 있어요? 어디에 있어요? Est une Question que l'on utilise pour demander le lieu où se trouve quelque chose. 있어요? Où se trouve? Satonen. Ici, on parle des dictionnaires. Où sont les dictionnaires Première réponse, Un parc. Deuxième réponse, Kyohe. Une église. Troisième réponse, tip. une boulangerie. Quatrième réponse, Sautom, une librairie. Selon toute vraisemblance, les dictionnaires, on les trouve plutôt dans une librairie qu'une église, qu'un parc ou qu'une boulangerie. La réponse à cette question est donc bien la réponse 4, Sautom. Quelques expressions sur lesquelles s'entraîner. La première, algesumida. Une expression que l'on utilise fréquemment pour dire que l'on est d'accord, que l'on a compris quelque chose. Entendu, d'accord. La deuxième expression, est une expression que l'on utilise souvent dans les commerces pour demander la raison pour laquelle quelqu'un vient. Je peux vous aider. 오케 au 3 Troisième expression. Vous cherchez quelque chose autre expression que l'on utilise fréquemment dans les commerces. sopo, 머리가 아프다. 약국 시장 채소 아까 어서 question v a l a b l pour 34 à 39괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오 음에 갑니다 소포를 Ponemida. Alors ici, où sommes-nous? Premier indice, on va quelque part. Aller à quelque part. Deuxième phrase, s'opore Ponemida. Poneda signifie envoyer. Envoyer so pour un colis. Envoyer un colis. Où envoie-t-on un colis? Première réponse, Cocteau. Le théâtre. Deuxième réponse, Siktang, le restaurant. Troisième réponse, Dozorwan, la bibliothèque. Quatrième réponse, Utsego, la poste. Vraisemblablement, c'est bien à la poste que l'on envoie des colis. La bonne réponse est la réponse 4, Utsego. Moriga, c'est la tête. Ici, ga » indique que c'est une particule sujet. Donc nous allons nous attendre à un adjectif ou un verbe. Curésor, jagl, moxemida. signifie donc, conséquence, yak. Un médicament. Boksmida, manger. Donc, je mange un médicament. On peut deviner quel type de situation. Première réponse. Apumnida. Apuda signifie avoir mal, faire mal. Deuxième réponse. Talpsmida, être court. Troisième réponse, Yepumnida. Et signifie être joli. Quatrième réponse. Tosummida. Être exact, être bon. Donc, ma tête fait mal, ma tête est courte, ma tête est jolie, ma tête est bonne. Vraisemblablement, si je mange un médicament, c'est que j'ai mal à la tête. Donc, c'est bien la réponse A. La réponse 1. Boriga 아픕니다. 시장에 갑니다. Kogi Ici, le verbe, c'est le verbe krada. Précédé d'un complément circonstanciel de lieu, 시장에 est qui signifie le marché. « Je vais au marché. » Qu'est-ce que j'y fais ?« Kogi teso ru samnida. » J'achète. Complément d'objet direct, j'achète quelque chose. J'achète des légumes. Et avant, on a « kogi », qui signifie la viande. Quelle peut-être la particule qui va entrer dans cette parenthèse. Réponse 1, wa, qui signifie et. Réponse 2, man, qui signifie uniquement, seulement. Réponse 3, kati, qui signifie jusqu'à, pour une quantité, un lieu ou pour du temps. Réponse 4, Ezo. qui a plusieurs sens, mais qui peut être interprété comme le lieu où se déroule une action. Vraisemblablement, on peut deviner que la personne se rend au marché pour acheter à la fois de la viande et des légumes. Donc la particule qui nous manque ici, c'est bien wa, qui signifie et. C'est la réponse 1. 여름입니다. 날씨가 음, 덥습니다. 여름입니다. 입니다, ê t c est. 여름, c'est 날씨가, le temps, comment est ce temps? 덥습니다. le temps est chaud, il fait chaud. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va rentrer dans cette parenthèse Lisons les réponses. Réponse 1 Akka, qui signifie juste avant. Réponse 2 Ajo, qui signifie très. Réponse 3 monde, qui signifie d'abord. Réponse 4 Oso, qui signifie immédiatement. 날씨가 아주 덥습니다. Il fait très chaud parce que c'est l'été. Les trois autres réponses ne conviennent pas. 오늘은 제 생일입니다. 친구들. 음. Aujourd'hui, 오늘은 생일입니다. C'est un anniversaire. C'est l'anniversaire. De qui C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Quand on voit « eux on constate que c'est un complément d'objet direct. « Des amis ». Il manque le verbe ici. Ici, il va manquer un verbe. Analysons les quatre verbes qu'on nous propose. Premier verbe. Toa hésemida. hada, ça signifie aimer. Donc ici, j'ai aimé. J'ai aimé mes amis. Réponse 2. To de hada signifie inviter. J'ai invité mes amis. Réponse 3. Karchosmida. Karchida signifie enseigner. J'ai enseigné à mes amis Réponse 4, Esmida. Ada qui signifie observer, regarder, visiter. J'ai observé mes amis En toute vraisemblance, comme c'est mon anniversaire, il y a de fortes chances que j'ai invité mes amis. C'est donc la réponse 2, qu'il faut choisir pour cette question. onni tal onni est le sujet de la phrase signifie ma grande soeur peewasumnedda peuda qui signifie apprendre ma soeur ma grande sœur a appris hum, »« tumme la danse. La grande sœur a appris la danse. Tumul tal. Tal signifie bien. Tumul, la danse, qui est complément d'objet direct. On attend en coréen donc un verbe qui pourra accueillir ce complément d'objet direct. Regardons les verbes qui nous sont proposés. Premier verbe. Tumnida. Danser. Deuxième verbe, somnida, écrire. Troisième verbe, tamnida, faire, prendre. Quatrième verbe, timnida, jouer. Est-ce qu'elle danse Est-ce qu'elle écrit la danse Est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle prend la danse comme un moyen de transport est-ce qu'elle joue de la danse Non. Tout simplement, elle danse. C'est l'expression coréenne. C'est la réponse 1 qu'il faut choisir ici. Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas. 우리 병원 진료 안내 월요일부터 금요일까지 9시부터 7시까지 토요일 10시부터 4시까지 점심시간 12시 반부터 2시까지 일요일은 Shimnida. Que signifie ce texte Uri, Pyonwan. 우리 c'est le nom de l'hôpital. 병원 hôpital L'hôpital, 우리. Information, Anne. information des informations sur les soins. Wolioil Puta, Kumioil qui signifie du lundi au vendredi. Ensuite, vous avez les horaires d'ouverture. De 9h. À 19h. Ensuite, TOYOIL pour le samedi, de 10h à 16h. Entre parenthèses, vous avez Chomsim Sigan, qui sont les heures de déjeuner, de midi et demi à 14h. Et enfin, Iryoiren Shimnida, littéralement, on se repose, nous nous reposons. Le dimanche. Repos le dimanche. Regardons ce que l'on nous propose. Première proposition. Il y a il est. Moon. Il y le dimanche. Moon. Moon, c'est la porte. Yomnida. Yolda. Ouvrir. À on n'ouvre pas. Et porte n'ouvre pas le dimanche. Cela semble exact. Deuxième proposition. toyo des siè toyo Tuyo le samedi, des siè. Quatre heures. Knamnida, terminé le samedi, ça termine, ça finit à 4 heures. Ça correspond. Troisième proposition. La pause déjeuner, les horaires de déjeuner. Jusqu'à 14h, jusqu'à 2h. Vérifions. Effectivement, les horaires de déjeuner vont jusqu'à 14h. Dernière proposition. 시작하다. Commencez. Le mercredi. À quelle heure on commence le mercredi 10. Vérifions. Mercredi se situe bien entre lundi et vendredi. Et les horaires d'ouverture sont de 9h. C'est bien la réponse 4. Qui est fausse 41. ilko

Nous sommes face à un panneau d'informations sur les différents services, les différents magasins que l'on peut trouver dans un bâtiment. Building. Ce bâtiment s'appelle le bâtiment Hana. si on s'intéresse d'abord au itseung, donc au rez-de-chaussée, on y trouve kotsip, un magasin de fleurs. yakku, une pharmacie. panchip, une boulangerie. Au, deux, au premier étage, donc itseung en coréen, premier étage, Siktang, un restaurant. Pyeongwon, un hôpital, une, une banque, Samsung au deuxième étage. On trouve Seojom, une librairie, Crop Shop, un café. Voyons les propositions que l'on a. Première proposition. On nous parle du magasin de fleurs. Il tseng au premier étage. Le magasin de fleurs se situe au rez-de-chaussée. Est-ce exact? Oui. Le magasin de fleurs se situe bien au rez-de-chaussée. Deuxième proposition. Copy shop, your pay. un Coffee shop. Yoppe. a café café shop. Y Il Y a une librairie. Vérifions. Le café se situe ici. Et à côté, nous avons. Une librairie, c'est exact. Troisième proposition. Uneng aree pangtibi ismida. Pangtibi ismida. Il y a une boulangerie. La boulangerie se situe ici. Uneng aree. Uneng aree. En dessous de la banque. En effet, la boulangerie se situe en dessous de la banque. Quatrième proposition. Le sujet. Donc l'hôpital et la pharmacie. se situe ça signifie le même étage, le même niveau. Donc, l'hôpital et la pharmacie sont au même étage. Vérifions cette information. Nous avons au rez-de-chaussée la pharmacie et l'hôpital au premier étage. Cette proposition est donc fausse. C'est la réponse 4 qu'il faut cocher. 42번 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas. 가구 할인 가구를 사게 팝니다. 많은 이용 바랍니다. 침대

Signifie meuble. Harin signifie réduction. Kagure <gûl> sage. Pamnida. palda signifie vendre. Sage. De manière bon marché. Kagure des meubles. Nous vendons des meubles pas chers. Manen ion paramnida. Para para Littéralement paramnida. Para Nous souhaitons. Manen, manta, beaucoup. Ion, au sens strict, c'est l'utilisation. Nous souhaitons beaucoup d'utilisation. Ça veut dire quoi Dans ce contexte, ça signifie venez nombreux. Ensuite, vous avez le détail. Tsinde, qui signifie lit. Isipro, 20%. Donc 20% de réduction sur les lits. Otang, les penderies pour les vêtements. Pro. Quand a lieu cette promotion parole iril du 1er août c'est un lundi jusqu'au 7 août il y a un dimanche et l'entreprise qui nous envoie ce message en signature c'est les meubles téran. Voici pour les informations du message. Regardons à présent les informations qui nous sont proposées, les propositions qui nous sont faites. Première proposition. Il-Zhuil Harin Hamida. Harin Hada signifie faire des réductions. Iljuhil une semaine, toan pendant. faire des réductions pendant une semaine. nous faisons des réductions pendant une semaine. les réductions durent une semaine. vérifions cette information. du 1er août, lundi au 7 août, dimanche. c'est effectivement une durée d'une semaine. la première proposition semble exacte. regardons à présent la deuxième proposition. L'épandrie à vêtements 30 pro mida, sont à 30% de remise. Ou alors le magasin fait une remise de 30% sur l'épandrie. Regardons à nouveau ce message pour confirmer ou infirmer. Les informations se situent ici. On a 20% pour les lits, 30% pour les penderies. La deuxième proposition est exacte également. Regardons la troisième proposition. Sekhadji kagure harinamida. Harinamida, faire des réductions toujours. Kagure sur des meubles, mais on nous dit Sekhadji kagure harinamida. La réduction concerne trois types de meubles. Le magasin fait des réductions sur trois meubles, trois types de meubles. Or, si on regarde à nouveau les informations sur les réductions, on s'aperçoit qu'il n'y a que deux meubles concernés. Cette proposition semble donc fausse. Regardons la quatrième. « Te han imnida » Mais c'est dit, Imnida. C'est un message. Quel message Un message envoyé. Tehan han ça veut dire, ici, ça indique la provenance. Ça vient de Tehan Khagou. Donc c'est un message envoyé par Tehan Khagou. Ce qui est confirmé par le contenu de notre message. La proposition 4 est exacte la réponse à cette question est donc la réponse 3. le magasin fait des réductions sur trois meubles. c'est harinamnida et la proposition fausse. peyun nyonse. à présent, trois expressions à retenir. première expression, manon yon paramnida. venez nombreux. deuxième expression, Tumul peumnida. J'apprends la danse. Troisième expression. Tumel tal tumnida. Je danse bien. Pour réviser au mieux les exercices correspondant au sujet de topic, vous pouvez, concernant la compréhension orale, écouter plusieurs fois le document audio. Écoutez le document audio et répétez ce que vous entendez. Vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont liées à ces exercices. Concernant la compréhension écrite, vous pouvez, dans un premier temps, lire l'énoncé de compréhension écrite. Vous pouvez écrire sur un cahier l'énoncé de ces exercices de compréhension. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont présentées.